Il y a l'équipe, on se retrouve aujourd'hui hein, pour une section pêche aliments. Hein. Aujourd'hui, je vais sortir juste le matin parce que j'ai annoncé 28 aujourd'hui hein, à l'ombre. Donc, il va faire super chaud. Donc, j'ai décidé de sortir un petit peu ce matin là dans mon coin magique hein, où il n'y a plus énormément de choses à trouver. Mais je suis persuadé qu'il reste encore de la trouvaille à faire, hein, même si c'est plus énorme. Mais je m'attends toujours à une surprise ici. Hein, donc, je suis revenu ici. Donc avant de démarrer, je voulais lancer un petit message d'SOS, pas pour ma part, mais de la part d'un abonné. Hein. En fait, je vous explique, hein, ça fait pas mal de jours qu'il a bloqué son aimant et il n'arrive pas à le débloquer. Hein. Donc la personne là, c'est Cédric. En fait, il est du 54, du côté de Nancy. Donc s'il y a des gens qui se trouvent... Bah, sur Nancy même ou aux alentours. Si vous pouvez bah, laisser un message sur ma vidéo et après bah, vous verrez avec lui. Si vous pouvez lui donner un coup de main, bah, ça serait super sympa. Donc il a dit, hein, il fournit même essence, boisson, casse-croûte, un chèque de 2000 euros. Non, bah, non c'est faux pour le chèque, mais pour le reste, voilà, il fournit ça. Donc voilà, si vous pouvez... Si on peut se rendre service comme ça, moi malheureusement, ben, je suis pas à côté, je peux pas me déplacer, hein, sinon c'est avec plaisir que j'aurais été lui donner un coup de main. Voilà, ouais, ben, moi je suis sur le spot là où j'ai perdu mon grappin justement, donc on verra bien, on essaiera quand même un peu de le récupérer, mais je doute. Donc voilà l'équipe, hein, je bavarde pas plus. Aujourd'hui j'ai pas mal de dédicaces à faire, mais bon, je pense pas que j'aurai énormément de trouvailles, donc au pire des dédicaces je les ferai à la fin comme ça. Donc voilà l'équipe, hein, je prépare le matos, j'attends que la péniche elle passe là. Parce qu'elle fait 5 km et c'est pas speed une péniche. Hein. Donc le temps qu'elle passe, ouais, on peut même bavarder encore un petit peu, je sais pas. Mais... Donc ouais, ouais, c'était pas prévu que je sorte aujourd'hui. Hein. Et puis ouais, je me suis levé ce matin. J'ai dit, tiens, pourquoi pas profiter un peu là parce qu'il va faire chaud cet après-midi, je sais pas ce qu'on va faire encore. Et sinon demain normalement, nouvelle pêche. Hein. Mais cette fois-ci, ça sera toute la journée. Avec le poteau Python. Hein. On va essayer de viser des nouveaux spots. Hein. On va tout d'abord chercher des nouveaux spots hein, parce que bon, ça commence à réduire un hein, niveau des trouvailles. C'est ça, hein, quand vous sortez constamment, bah, à force, hein, voilà, c'est à force de ramasser, 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 voilà, les objets ça repousse pas. Hein, donc voilà, mais moi je viens continuellement ici parce que voilà, je vous dis, tant que je trouve des choses, même si c'est plus énorme. Mais tant que je trouve encore des choses, bah je persiste ici. Hein. Donc voilà, bon là il reste un petit morceau de la péniche là qui va passer. Dommage, je ne peux pas vous filmer. C'est ce qui est un peu chiant avec le téléphone, hein, c'est que bah, je ne peux pas tourner la caméra en fait. Hein. C'est dommage. Donc voilà l'équipe, je ne bavarde pas plus. Et on va attaquer direct les lancers ici, on verra bien. Allez, je vous reprends. Je vous reprends, hein. Ça fait ouais, plus d'une heure hein, que je suis sous mon pont là et bah, c'est vidé. Hein. En tout cas, c'est vidé pour la pêche à l'aimant. Hein. Donc il y a encore des gros trucs à sortir, mais avec le grappin. Et puis bon, je suis pas le spécialiste hein, comme vous avez pu le voir. Donc voilà, il y a énormément de pièces de voiture. Hein, et puis bon, les carcasses de voiture ça aimante super mal. Donc voilà, il faudra revenir avec un expert en grappin et puis essayer de sortir tout ça. Hein. Sinon, rien du tout, hein, même pas une centime. Ça y est, le poste il est vidé hein, par rapport à l'aimant. Donc là, je vous reprends, je me suis décalé où c'est que j'avais fait la caisse enregistreuse la dernière fois. Puis enfin, une trouvaille. Hein. Bon, on est toujours dans les munitions hein, partout où j'aille. C'est un truc de fou quand même. Hein. Bon, là, c'est du gros calibre. Hein. On me l'avait identifié une fois, mais je ne me rappelle plus. Hein. C'est The Bastos. Hein. Voilà, c'est du gros calibre. Hein. Bon, voilà, au moins il y a quelque chose à filmer. Au moins on n'est pas bredouille. Hein. Voilà. Bon, on va quand même la dédicacer. Comme c'est spécial dédicace aussi aujourd'hui. Je vais chercher mon petit bout de papier. Ben là, j'ai vu des pêcheurs passer en bateau. Je leur ai fait signe. Ils m'ont dit, ils m'ont fait coucou. Mais bon, c'est pas un coucou que je voulais, moi. Je voulais qu'ils aillent. Parce que j'ai réussi à récupérer ma corde là, du coup. Comme je suis resté accroché avec mon aimant sur la corde. Alors, du coup, je l'ai attaché au pont. Comme ça, le jour où on revient, ben. Voilà, bon ben celle-ci je vais la dédicacer au poteau Mathieu Sanchez. Voilà, elle est pour toi mon pote celle-ci. Et merci pour tes coms. Allez, on continue, de toute façon on ne lâche pas. Hein. L'équipe, je vous reprends. Hein. Bon, comme quoi, hein, voilà, il ne faut jamais lâcher. Hein. Depuis ce matin, je fais rien par la Bastos. Regardez ce qu'on a là.
deuxième caisse enregistreuse, hein. J'en avais fait une au même endroit la dernière fois, et puis là bah c'est fou, hein. C'est fou, hein. Pourtant j'en ai fait des lancers ici, et je sais pas si elle a été ouverte ou pas. J'ai un tournevis, hein. On va essayer d'ouvrir ça, et puis eh ben, je vous montrerai le contenu, hein, si c'est quelque chose ou pas. En tout cas sympa, sympa, superbe trouvaille. Bon bah celle-ci je vais la dédicacer. Attendez, je sors mon petit papier. Là c'est fou quand même. Bon, ici j'avais pas trop, j'ai moins persisté du côté là que sous le pont. Mais voilà, ça fait la deuxième ici. Donc c'est cool. Alors celle-ci on va la dédicacer à Rouquin. Voilà mon pote, hein. Petite dédicace pour toi. Jolie caisse enregistreuse. Donc voilà, nickel, parfait. Allez, on continue. Ok, je vous reprends. Hein. Putain, je me suis bataillé comme un malade pour ouvrir la caisse. Hein. J'avais juste un tournevis, hein, en mode MacGyver. J'ai passé dessus pendant une demi-heure au moins. Je l'ai défoncé dans tous les sens. Hein. Donc là, c'est ce qu'il y avait dedans. Hein. Tout ce qui est truc en plastique. La boîte est là. Là je me suis déchaîné dessus. Hein. Je dois avoir la tête rempli de boue, hein. C'est éclaboussé dans tous les sens. Là, je dois être vraiment en mode Rambo, j'en ai partout sur moi, je mec bien mort. Là on a le droit à une petite écrevisse, ben, malheureusement, qui est décédée à l'intérieur de la boîte. Donc voilà, puis ben, on avait des petits sous-sous quand même dedans, hein. Ça fait toujours plaisir. Hein. Bon, c'est pas des milliers de cents, bon, ils auraient pu être plus généreux quand même. Hein. Quand même. Alors on a 5 centimes, 5... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. 19 centimes. Ah, c'est toujours sympa à trouver. C'est toujours sympa. Ah, j'aurais pu laisser un peu plus gros quand même, hein, bonne de rapia. Va. Donc voilà, une bonne chose de faite, hein. Ça c'est sorti de l'eau, c'est le principal. On a ramassé quelques petites pièces. C'est sympa aussi. Donc super trouvaille, hein. Super trouvaille. Bon allez, je vais dédicacer les monnaies là à quelqu'un. Donc j'y suis. Je vous dis pas, je suis en transe, il fait une chaleur de ouf. Je me suis bataillé comme un warrior à essayer d'ouvrir la caisse qui était déjà ouverte mais bien refermée. Hein. Donc on va dédicacer ces monnaies là à Jérôme. Voilà, elles sont pour toi. Donc nickel. Bon moi je sais pas quelle heure il est là. Faut que je regarde l'heure, hein, parce que perdu énormément de temps à l'ouvrir, mais bon, quand vous trouvez une chose comme ça, forcément vous voulez savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, j'espère que ce petit moment vous aura plu. Ben moi franchement j'ai bien kiffé, j'ai bien kiffé. C'est la deuxième que je fais ici, la première il n'y avait rien du tout, et là on a quelques centimes, donc ça fait toujours plaisir. Allez l'équipe, je vous reprends, c'est quelque chose, je vous reprends, rien d'extra, mais je la filme parce que la dernière fois en fait, ben, sur le même poste, hein, exactement, j'ai sorti pas mal de morceaux et il y en avait pas mal, hein. Les boucles d'oreilles là, j'en ai sorti pas mal la dernière fois, je les ai pas filmés, je sais pas si c'est des boucles d'oreilles ou si c'est un bracelet, hein, regardez, en tout cas c'est bien décoré, mais j'ai sorti pas mal de morceaux la dernière fois, je les ai pas filmés, là je filme parce que voilà c'est à peu près entier, je sais pas si c'est un bracelet ou une boucle d'oreille, je vais regarder de plus près. Je sais pas, je crois que c'est des boucles d'oreilles, hein. Bizarre, hein, qu'il y a autant de boucles d'oreilles, hein. Je vous dis, j'en ai sorti pas mal la dernière fois. Sympa comme trouvaille. Bon, celle-ci, on va la dédicacer à Théo. Voilà, petite boucle d'oreille pour toi. Petite dédicace et merci pour tes coms, hein, c'est sympa. Bon, allez, moi je continue encore un petit peu là parce que je suis en train de griller. Je piquerai bien une tête. Hein. Allez, on continue. Bon, l'équipe, hein, c'est que son pêche terminé. Bon, ben on n'aura pas fait grand-chose. Hein, le spot commence à. Commence à se vider, mais voilà, je suis parti ce matin, je me suis dit on va peut-être faire une surprise, on a fait la surprise, hein. Après voilà, moi juste d'avoir fait la caisse là, ben c'est suffisant pour moi, hein. C'est des trouvailles que j'aime bien faire, on n'en fait pas constamment non plus, donc voilà, des petites trouvailles comme ça qu'on fait pas souvent, ben, ça fait toujours plaisir, hein. Donc moi je me contente de ça. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. De toute façon il y en aura une autre demain. Donc je vais en profiter pour faire les dernières dédicaces là directement
aux gens que je devais leur faire. Hein. Donc je fais une dédicace à Freddy, à Poiscaille. Poiscaille, j'aurais bien voulu le dédicacer, dommage, dans la caisse. En général, des fois, il y a des poissons. Donc j'aurais bien voulu dédicacer un poisson, mais malheureusement pour toi, c'était une écrevisse. Donc dommage, voilà, petite dédicace pour toi et à Nico aussi. Nico et puis Ludovic. Voilà, comme ça, j'ai oublié personne. Donc voilà, n'oubliez pas de partager, liker, commenter l'équipe. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao. L'équipe, on se retrouve aujourd'hui hein, pour une nouvelle pêche à l'aimant. On va filmer le petit piton avec son chapeau de paille. Chaud, chaud, hein. Bon, aujourd'hui, on va tester un nouveau poste que j'ai jamais fait. Hein. C'est un endroit où j'allais pêcher le poisson à l'époque. Et ouais, cette nuit, je me suis rappelé du poste là. Donc on va pêcher directement du haut du pont. Hein. Et bon, c'est un endroit pareil hein, où c'est facile de se garer et puis de balancer tout à la flotte. Hein. Donc ce poste-là, je le sens bien. Donc on va tester ici, on verra bien ce que ça donne. On va tester en haut, puis après on ira peut-être en bas, on verra bien. Et puis qu'est-ce que je voulais rajouter? On verra bien, ouais, on verra bien ce que le fond nous réserve aujourd'hui. Et je pense qu'il y a moyen de faire de belles choses ici. Allez, je vous reprends dès qu'il y a trouvaille. On était de l'autre côté du pont, bah, pas grand chose à part un gros truc que bah, dès que je soulève à une certaine hauteur, hop, ça retombe. On sait pas ce que c'est. Hein. Puis là, je vous reprends pour une trouvaille intéressante, mon premier. Donc celui-ci, je sais à qui je vais le dédicacer, hein, au poteau Scotty 5, le spécialiste de l'autoradio. Moi, c'est mon premier. Ah, trouvaille sympa. Allez, on continue. Je vous reprends. Hein. Bon, bah, des deux côtés du pont, on a deux gros trucs, hein, mais vraiment il les sortir. Peut-être avec un grappin, je sais pas. Puis là, je vous reprends hein, pour un petit leurre sympa. Bon, là, à mon avis, il devait être collé sur le gros truc hein, parce que j'ai essayé de soulever le machin là et puis j'ai attrapé ça à la place. Allez, on continue. L'équipe, je vous reprends. Hein. Bon, comme je dis, je suis devin. Hein. Moi, c'est comme en détection à la pêche à l'aimant. Je dis au poteau, il dit ouais, c'est étonnant qu'il n'y a pas d'armes ici. Je lui dis, bah, tu sais, en général, quand tu jettes des armes, à mon avis, il faut jeter plus loin parce que les gens, quand ils balancent du pont, ils jettent l'arme le plus loin possible. Alors, regardez ce qu'on trouve. Bon, c'est pas entier, hein, mais c'est un morceau, hein, donc je vais rejeter au même endroit et essayer de récupérer. Je pense que c'est identifié, ouais. Ouais, sympa comme trouvaille. C'est du 40 Smith & Wesson, je suis pas sûr. On va voir ça. Sympa, hein. On va essayer de jeter au même endroit, de récupérer le reste. Voilà, une petite trouvaille pour le piton. Cadenas. Voilà. Il n'y a plus qu'à trouver le coffre, hein, maintenant. J'ai fait les clés, t'as fait le cadenas, donc le coffre. Allez, on continue. On vous reprend là, nouvelle trouvaille. Petit couteau habituel, un couteau à beurre. Oh, le soleil il tape, hein. C'est un truc de ouf. On va prendre de belles couleurs, on va être tout bronzé. Allez, on continue. Je vous reprends une petite trouvaille là. Bon, je viens de sortir une grosse barre de fer là. Puis il y avait ça avec. Hein. Un joli leurre. Tout neuf. Ah bah celui-ci je vais le dédicacer à tous les pêcheurs de carnassier, tiens. Il est pour vous. Allez, on continue. Ok, bon, on vous reprend. Voilà, plus grosse trouvaille de la journée. Elle est là. Portière de voiture. Moi, je sais pas. Elle me paraît récente. Et je vous dis, depuis ce matin, il y a un gros truc qu'on n'arrive pas à sortir. Donc ça se trouve, c'est aussi des pièces de voiture. Ah, sympa comme trouvaille. Allez, on continue encore un petit peu.